Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse du Bitcoin et aussi on va ajouter le cake. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui le suivent. On va faire le point là-dessus et je vais vous parler surtout des pièges à éviter pour la suite du Bitcoin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le Discord, les liens sont dans la description. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, voilà, je fais une petite mise à jour sur l'analyse. Là, je vois quelque chose d'intéressant. Regardez cette structure ici, d'accord? Donc après une impulsion, cette correction, et regardez ce qu'il est en train de se passer. Ça y ressemble de plus en plus. Donc là, on a eu une correction comme ça, là. Une belle chute pour ensuite repartir à la hausse et boum, ça a explosé. Là, on a un petit peu le même délire, une correction, une belle chute. Et on attend ici, dans une plus petite unité de temps éventuellement, là je suis à 4 heures, un petit setup d'achat et on peut peut-être espérer une petite explosion. Dit comme ça, ça paraît simple. Par contre, il y a quand même des pièges à éviter. C'est... Alors qu'est-ce que c'est? À quoi on peut s'attendre? À plusieurs choses. Donc, en général, quand on a un mouvement agressif un petit peu comme ça, bien souvent il se reproduit plus tard. Pas forcément toujours, mais quelquefois. Donc, est-ce que celui-ci correspond à ça qu'on aurait reproduit là pour repartir à la hausse? Là, j'en suis pas convaincu du tout. C'est quand même... En général, quand on obtient un running, parce que ce genre de structure, c'est un running, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Ça sera plutôt ça, une petite cassure du haut, ça, et ensuite en monte. Ça ressemblerait plus à ça, un running. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vu les événements qu'il y a en ce moment, les structures peuvent être un peu chamboulées. Donc, c'est pour ça que je vous disais en ce moment, le trading, c'est dangereux. On fait attention. Maintenant, bon, le plus probable, c'est ça. Parce que là, c'est plutôt, on a eu un setup d'achat. Boum, c'est reparti à la hausse. Et là, on est en train d'entamer une nouvelle structure. C'est très peu probable que ça et ça soit lié. Très peu probable. La nouvelle structure peut se décomposer de plusieurs façons. Donc, toujours pareil, pour établir un plan, on essaye de prévoir les différentes possibilités. Et en fonction, on établit un plan. Les différentes possibilités, ici on a une impulsion qui doit corriger, donc c'est en train d'être fait. Ça peut être par un régular, ok, on peut très bien avoir ça. Là, si après on a un setup d'achat ici, une petite unité de temps, ça sera un bon point d'entrée. Ça peut être un running aussi, impulsion, correction, tac, on vient casser le dernier plus haut. On reproduit un mouvement d'une amplitude similaire à celle-ci ici. Setup d'achat, là c'est aussi un bon moment pour entrer et jusqu'à ce stop. Par contre, et c'est ici qu'on rencontre le fameux piège dont je vous parlais. Ici on peut se dire super, là j'ai un setup d'achat, boum, ça va monter jusque là, je mets beaucoup d'argent, j'attends que ça pète le top pour mettre un break-even, et là en fait ça monte un peu comme ça et boum, ça descend. Pourquoi? Il faut toujours regarder avec plus de recul, parce que je vous en ai parlé en journal, en journalier ici, on pourrait avoir ici un grand A, une grande impulsion, donc avec sa correction qui est en trois mouvements, donc A, B, C, pour un grand régular ici, ok? Un régular ici qui annoncerait donc une continuation vers le bas. Donc, quel est le point à surveiller pour valider un régular? La première condition, c'est qu'on vienne casser ce top-là. Donc, une fois qu'on vient casser ce top-là, hop, si, ici, là, le potentiel running qu'on voit, c'est potentiellement aussi... en fait la fin d'une grande structure. Et donc là, on croit ici que c'est un running, et en fait on a ça, boum, ça chute pour nous valider le plus grand A, B et C. Voilà, le piège est là. En ce moment, c'est ça, c'est de ça dont il va falloir se méfier. Donc ici, je repasse en 4 heures. Donc ici, si vous voyez un running, boum, parce que si on pète ce top là, il y a des chances qu'on pète celui-ci aussi, d'accord? Donc si on pète celui-là, là on fait super gaffe. Hein. On fait super gaffe. Si on a ça derrière, ça ne veut pas dire que c'est un running. Il faut absolument attendre une confirmation. Et à ce top-là, c'est hyper dangereux parce qu'on sera déjà au-dessus de celui-ci. Donc à tout moment, on peut se retourner. Le risque, il est ici. On peut aussi venir corriger comme ça et continuer. Hein. C'est pas impossible. Maintenant, on sait que ici, il y a un gros risque. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Si on voit ça, ben, on ne rentre pas ici déjà. Surtout pas. Si on est rentré là, très bien. Arrivé là, on met un break-even. Un stop loss en positif, hein. Là c'est impératif. Et même en rentrant ici, on n'attend même pas que ça monte, on met un stop loss au dernier plus bas. Obligé, parce que là, dans ce genre de configuration, il peut nous valider un petit setup d'achat ici pour casser le dernier plus haut, pour nous donner en fait une plus grande structure comme ça, ABC, et tout ça validera le grand ABC, et boum, ça peut chuter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que l'explication est assez claire. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, on peut tenter des setups d'achat,
Là, on est clairement encore sur de la hausse. Là, on a repris une belle dynamique haussière, mais on sait que arrivé ici, il y a un gros risque. Donc, on se protège. Ok, les amis. Voilà comment il faut agir dans ces marchés-là. Est-ce qu'en plus petite unité de temps, j'aurai un setup? Si je tombe dessus, comme ça, je vous le donne. À chaque fois qu'il y a un setup, je suis pas devant l'écran, bien sûr. Là, peut-être, en 15 minutes, on a peut-être un petit setup d'achat. Voilà, si on a un setup d'achat qui comme ça, en 15 minutes, et qu'on rentre, on s'attend pas à venir casser tout de suite le plus haut. Hein. On s'attend à venir casser ce plus haut. Donc, arrivé ici, on met un break-even déjà. Parce que ça peut très bien être ça, pour un plus grand ABC ici. Hein. D'accord? Et pour nous faire, donc, ici un grand flag, ok? Pour faire une hausse plus tard. Vous voyez, c'est possible tout ça. Hop, et ça sera peut-être même en 4 heures. Vous voyez, si je passe en 4 heures, on voit plus la même chose. Ça pourrait même être ça, ça, ça et ça. Hein. Là, ça serait un beau régular. Setup d'achat ici à 1 heure, mettons. On peut rentrer, break even, et voilà. Et on tente à chaque fois comme ça. Ok, les amis? Donc voilà. En tous les cas, vous voyez cette structure qui ressemble à celle-ci. On reste méfiant. On reste très méfiant parce qu'on est très proche ici d'un point clé. Donc on reste très très méfiant. Et c'est même possible, c'est pour ça qu'on met des stop loss là dans une zone comme ça, parce que c'est même possible qu'on vienne pas casser ce top, hein, et qu'on vienne descendre comme ça, c'est possible. Avec les événements en ce moment, c'est très possible. Bon, par contre, ça serait quand même une surprise. Moi, je m'attends plutôt quand même à ce qu'ils viennent au moins casser ce top là. Même si j'ai une plus grande correction là, j'attends d'abord ça, pour après surveiller les setups de vente, parce que là, il y aura des risques. Voilà, et oui, il est toujours pareil, ça veut pas dire qu'arrivé là, on vend tout, hein. Pas du tout, hein, parce qu'il peut continuer à monter. Peut-être qu'il va décider tout de suite de valider le grand running et là de monter. C'est possible. Donc voilà, on vend pas tout parce qu'on est là. Par contre, ça sera le point à surveiller. Et quand on aura cassé stop, si on voit un beau setup de vente, là par contre, il faudra commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire. Soit sortir pour acheter plus bas en DCA, soit garder pour garder sur du très long terme. On va juste attendre à ce que ça traîne un peu pendant un petit moment avant de repartir à la hausse. Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on a dit le cake. Où est-ce qu'il est, lui? Il est ici. Voilà, je sais que certains le suivent. Tiens, il n'y a pas plus de data que ça, là. Pourquoi sur Binance? Et après, j'ai la même chose partout. Voilà, ici que ça, il y a un petit bug d'affichage. Ok. Donc voilà, je vous avais dit, moi, la structure ici, elle n'est pas très belle. Voilà, je sais pas ce qu'il y a eu avant ça. J'arrive pas à trouver de graphique plus complet. Donc là, a priori, on est sur un mouvement A. Après, si on partait d'en bas, là, en fait, ça serait pas mal puisqu'on aurait ça. Et là, on aurait une sorte de régular là qui pourrait être intéressant. Mais voilà, si le prix du token est sorti ici, là, ce qui m'étonne quand même, ça me paraît haut. Je sais pas, j'ai pas suivi l'historique du cake. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je pourrais être plus précis dans mon analyse. Par contre, ici, il faudra surveiller ça là, parce que là, une chute, une belle hausse, ça rechute. Si on a ça là, ici, il faudra commencer à se méfier, puisqu'on risque un running là, pour continuer vers le bas. Ok? Sûr, si le Bitcoin part en bull run, on fera pas ça, hein. Ça va partir vers le haut. Voilà, ça dépend toujours du Bitcoin, bien sûr. Et voilà, pour l'instant, donc là, c'est probable qu'on obtienne une hausse au moins de cette amplitude ici. Hein. Donc voilà, faire un petit x3 là, c'est pas impossible. Hop, en plus petite unité de temps, qu'est-ce que j'ai? Ouais, mais c'est comme le Bitcoin. Hein. Vous voyez, on a à peu près deux fois la même structure ici qui est en train de se reproduire. Donc, la dernière fois qu'on a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Petit setup d'achat ici, puis une jolie petite hausse. Là. Ok. Donc là, si on a la même chose, un setup d'achat, ben, on peut le tenter, hein, au moins pour venir casser ce dernier plus haut. Break-even, bien sûr, parce qu'à tout moment, c'est comme le Bitcoin, c'est pareil. À tout moment, on peut très bien être dans ça. Ça, voilà, là, un flag pour venir descendre encore. On risque ça. Mais on peut aussi repartir à la hausse, là, pour venir nous valider ce plus gros running, là. Et donc, là, on viendrait encore une fois casser ce dernier plus bas, si jamais on a ça. Hein. Et on attendra les prochains setups d'achat pour repartir à la hausse. Ok, voilà, moi, c'est ça que j'attends sur le cake. Encore une fois, on suit bien le Bitcoin, parce que c'est ça qui va nous donner la direction. Si le Bitcoin vient à faire ici, là, paf, venir casser le haut, setup de vente et chuter à 30 et quelques mille, là, le cake, lui, il devrait faire pas ça, mais plutôt, voilà, une petite hausse pour venir descendre encore un peu. D'accord?
Voilà, tout va dépendre du Bitcoin. Et quand le Bitcoin repartira à la hausse, il y a des chances qu'on voit ça. Quand le Bitcoin va corriger, il y a des chances que lui corrige fort. Et quand le Bitcoin va vraiment repartir en haut, que ça remonte. Vous voyez les différentes possibilités, toujours en relation avec l'analyse du Bitcoin. Si demain le Bitcoin décide de chuter, toutes les autres analyses, elles sont foirées. Hein. Mais sauf celle qui annonce de la vente, bien sûr. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.